c'est André. Je suis avec des amis, tu comprends? On est toute une bande. Il y a des filles fantastiques. Mais on danse ici aussi. Je te rejoindrai, mais je ne sais pas où se trouve le Kingsley. Je sais où c'est. Ah, j'ai trouvé la solution. Au revoir. Est-ce loin? Il faut à peu près un quart d'heure. Je trouve que j'habite dans le quartier. Vous êtes très gentil de m'accompagner. J'espère que je ne vous dérange pas de trop. Je vous ai dit qu'on m'attendait au Kingsley, un garçon que j'aime bien. Vous avez de la chance. How still a thunderstorm. Don't ever twice ever man from his own destiny. Lâchez-moi. Alors, revenez. Cigarette sur le bureau ou peut-être sur le chiffonnier.
tu as trouvé tes cigarettes? Oui, chérie. À tout à l'heure. J'ai tout fini. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose, madame? Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Merci, Laurel. Bonne nuit. Pas où j'ai rencontré. Forcez un peu votre mémoire, professeur. Le moindre détail pourrait nous permettre d'y voir clair. Donnez-moi quelques éléments. Ce n'est pas la première fois que vous me demandez des conseils psychologiques au sujet d'un assassinat. Je pense vous avoir beaucoup aidé dans le passé, mais j'ai besoin d'informations d'abord. Ah, c'est lui. Oui, 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 je le reconnais bien, je le reconnais très bien. Eh, oui. Je l'ai vu de près, on était côte à côte. C'est bien lui. Oui, 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 oui. Qu'ai-je fait? Professeur Liotak, ce monsieur déclare que, justement le jour de l'assassinat, vous avez offert à la victime de l'accompagner et que vous êtes partis ensemble. Ah oui, je me souviens maintenant. C'est ça, oui, elle parlait au téléphone et je lui ai offert de l'accompagner. Oui, au Kingsley. J'habite dans le quartier. Avant au moins demain matin. Je dois seconder Edwards. Et pour la fille assassinée aux cascades? Ce jour-là, j'étais avec elle, Marsha. Je comprends et je vais t'attendre. Je serai bien seule sans toi. Précisez l'adresse exacte. Je ne la connais pas, mais c'est dans le parc, près du lac. Dépêchez-vous, je vous en supplie. Il approche, il approche. Je vous en prie, venez vite. 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 Il est là.
mademoiselle, surtout ne raccrochez pas. Essaye de repérer l'endroit d'où elle téléphone. Fais vite. Il est à la porte. Non. Il l'ouvre. Il l'ouvre. Il ouvre la porte. Il est là. Il va entrer. Je suis dans le parc à côté du lac. Il entre. Il entre. Je vous en prie. Venez vite. Essayez de lui faire peur jusqu'à notre arrivée. Criez, hurlez, il s'en ira peut-être. Non, non. Ah. Ah. Mademoiselle, mademoiselle, est-ce que vous m'entendez? Répondez, dites quelque chose. On a repéré d'où la fille appelle. Une voiture est en route. J'espère qu'ils vont arriver à temps. Le même assassin, professeur. Tous ces crimes portent la même signature, inspecteur. Celle d'un homme dont le cerveau est marqué par une étrange anomalie, celle d'une créature malade. Ces oiseaux-là planaient sur les lieux du crime. Aucun ne peut expliquer sa présence. Aucun n'a de papier. Je vous l'ai dit et je vous le répète. J'étais là parce que j'avais un grand besoin de pisser. Il est étrange que vous n'ayez rien entendu. Pas de cris, pas de hurlements, rien, à part les criquets. J'ai entendu la sirène. Et puis on m'a donné un coup. Parce que je voulais mettre les bouts. Je pissais un bon coup quand votre type m'a piqué. Et la preuve, c'est que le flic m'a arrêté le pantalon ouvert. Et ce sang provient du coup que tu as reçu. C'était un direct au nez. Et le sang a dégouliné jusqu'ici, alors. Pourquoi pas? N'êtes-vous pas le gardien du parking du club Kingsley? Je vous ai vu en rentrant chez moi assez souvent. Et c'est au club Kingsley que vous avez accompagné la fille assassinée il y a une semaine. Exactement. Encore un assassinat. J'étais avec l'inspecteur Edwards toute la journée. Sais-tu que je m'inquiétais pour toi? Le fait que tu aies accompagné cette jeune fille me fait très peur. Je suis malade d'angoisse. Oh, tu es ridicule. Je suis Herbert Lutak. Je suis un homme très important. Je travaille pour la police. J'étais terrifiée. Je suis amoureuse de toi, chérie. Et j'ai envie de toi. Et où ressens-tu cette envie de moi? Tu voulais l'ouvrir? Va te faire! Tout l'incrimine, on aurait dû le garder à vue. Tout l'incrimine, mais j'ai besoin de preuves irréfutables, Willy. Je l'ai laissé s'enfuir pour que Richard le suive, tu piges? Je viens d'avoir un horrible cauchemar.
toi, non. À toi, non. Je ne pourrai jamais. C'est impossible. C'est impossible. Je suis à toi. Tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Marsha, hier c'était l'anniversaire de notre mariage. Alors j'ai écrit quelques phrases idiotes pour toi, ma chérie. Je n'osais pas te les donner. Tiens. Tu es ma femme. Je t'aime. Tu m'aimes. Mais je suis un fou, un impuissant. Séparons-nous, Marsha. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Je ne veux pas te faire du mal. Tu peux recommencer ta vie. Moi, comme homme, je ne sers à rien. Je suis peut-être un grand savant, mais j'ai une femme toujours vierge. Avec la mort dans l'âme, je te dis, séparons-nous. Je ne veux pas te faire du mal. Je t'aime. Fais-moi tout ce que tu veux. Mais je resterai avec toi. Fais-moi tout ce que tu veux. Alors, père, je t'aimerai toujours. Je t'aime. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Au fond, je connais toute ta vérité. Je t'aime comme tu es. Prends-moi. Ce soir, j'en suis presque certain. Il faut l'en empêcher. Un de mes hommes le piste jour et nuit. Qui? Le type qui travaille au Kingsley. Autre chose. J'ai mené mon enquête sur un autre niveau. De la métapsychique. Et je n'ai pas les mêmes impressions que vous. La parapsychologie n'est pas réaliste. Je crois néanmoins que nous arrêterons notre homme ce soir. À la piscine. Près du lac. Ici, c'est l'inspecteur Edwards. Je veux 4 hommes dans des voitures banalisées. Confirmez-moi si notre assistante est actuellement dans le parc du lac. Terminé. Thank you.
D'accord. Comme signal, trois petits coups de klaxon. C'est le professeur Yutak, ça va, il est des nôtres. Ah. Allez-vous-en, allez-vous-en. Professeur Lyotak. Vous n'attendiez pas du tout à me voir ici. J'attends celui que vous avez signalé. Dommage que l'inspecteur vous ait choisi. Vous êtes si jeune. Je suis une femme policier. Je ne fais que mon boulot, c'est tout. J'oublie le danger et votre présence me rassure. Quel courage. Je préfère travailler avec des gens effrayés. Les voitures de la police. Elles sont toutes parties de ce côté-là. Nous sommes seuls ici, professeur. Je la vois maintenant. Professeur, le patron vous demande. Non, non, ne me quittez pas. Alors venez. Je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'y suis pour rien. Et je peux le prouver, inspecteur. C'est la vérité. Hein? Les experts sont en route, on vient de me le faire savoir. On est en train de fouiller tout le parc. Je me suis présenté à vous volontairement, hein? Je pensais avoir tout deviné, le lieu, le moment exact, les circonstances. Mais pour la deuxième fois, l'assassin m'a pris de court, il m'a devancé partout. Inspecteur, je ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ce parc? Ne me dis pas que tu avais encore envie de pisser. C'est que j'aime les parcs. Et puis, je la suivais, elle. Malheureux, je vais... Hein? Je peux dire combien de cigarettes elle a fumé. Je la connais, du Kingsley. Une belle fille. De belles flûtes. Belle. Et vivante. La fille que j'ai suivie est toujours vivante. Dis donc, c'est une déposition. Dis-nous pour combien de temps elle restera vivante si tu la suis. C'est extraordinaire que vous ayez prévu l'heure et le lieu. La seule petite erreur, petite mais importante, c'est une erreur de 500 mètres. Mais vous pensiez à quelqu'un. Pour vous, l'assassin a un nom, n'est-ce pas? C'est peut-être lui. C'est possible. Tous les indices mènent à monsieur, parce qu'il est toujours sur les lieux.
Et vous étiez sur les lieux aussi bien que moi, professeur. Patron, on a fouillé tout le parc maintenant. Il paraît qu'il n'y a personne à l'exception de la police. Et pour couronner le tout, l'arme du crime n'existe pas. Elle existe, elle existe. Si on a tué avec un poignard, le poignard existe. Comment sais-tu qu'il s'agit d'un poignard? Tu n'as pas pu voir la blessure, on a tout de suite caché le corps avec une couverture. Encore un mystère de sa personnalité psychologique. Allô? Oui, c'est la Villa Liutak. Je suis Madame Liutak. Je voudrais parler au professeur Liutak. Il faut que je lui parle. Herbert est sorti, je regrette. Si vous voulez laisser votre numéro de téléphone. 4, 9, 3, de la part de qui? Je suis Dorothée Heinrich. C'est urgent, il faut qu'il me rappelle. J'étais dans le parc. Dites-lui que j'ai vu quelque chose de très intéressant. Quelque chose que je connais bien. Que j'ai reconnu immédiatement. Quelque chose qui appartient au professeur. J'ai préféré ne rien dire à la police. Je veux lui parler d'abord. Après, j'irai à la police. J'ai beaucoup d'estime pour le professeur Liutak. Il faut que je lui parle, Madame Liutak. Je comprends. Aussitôt rentré, il vous rappellera. J'ai une théorie ridicule, Willing. Ce gardien du parking nous mènera directement à l'assassin. J'aurais préféré lui fendre la gueule pour lui faire cracher le morceau. Oh non, je pense qu'il est plus utile entier. Et si on allait boire un verre avec Mademoiselle Heinrich? À cette heure-ci, mais ne vaudrait-il pas mieux dormir quelques heures? Tu es un vrai flemmard, tu le sais, Willing. Tu ne te rends pas compte que Dorothée Heinrich nous cache quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Elle a trouvé quelque chose à côté de la fille assassinée. Je n'ai rien fait sur le moment. Parce que je voulais connaître la raison pour laquelle Mademoiselle Heinrich, qui est une collaboratrice de la police, ne voulait rien dire au sujet d'un indice peut-être important. Et cet indice était l'arme du crime. Allons-y alors. Qui est là? Qui est là? Ma che vuoi? Va via. Via. Je dirais qu'elle n'est pas ici. Mademoiselle Heinrich?
j'ai la voix de Dorothée Hindrich? C'est vous, Willy? Ici le professeur Liutak. Oui, Dorothée est là? Oui, elle m'a appelé tout à l'heure. Son téléphone s'en est occupé depuis 20 bonnes minutes. Il n'y a personne ici, professeur. On a trouvé la porte ouverte. On dirait que Dorothée est sortie. Et je vous rappellerai du bureau, professeur. L'eau est encore chaude. Un bon bain et puis elle décide de sortir. En laissant la porte ouverte. Mon Dieu. Oh mon Dieu, je l'ai tué. Elle était déjà morte, Willy. Il ne fallait qu'un petit courant d'air pour que le corps tombe. Ce n'est pas du tout de ta faute, tu sais. Si madame le désire, le thé servi au grand salon. Ah. De la fin. Ces gants, Willy, plus les cheveux et les petites taches de sang, tout sera analysé. Il pourrait bien y avoir un lien avec la mort de Dorothée. L'assassin a voulu mettre en scène un suicide parfait. Toutes les portes ouvertes ont créé dans l'appartement un petit courant d'air. Il ne suffisait que d'une légère pression sur la fenêtre de la salle de bain pour faire tomber le cadavre en équilibre sur cette fenêtre. Mais pourquoi ne pas l'avoir jeté directement? Un corps qui tombe d'un troisième étage fait du bruit. On l'aurait entendu, surtout la nuit. Et l'assassin a voulu s'en aller sans se faire remarquer. C'est un fou, mais il est malin. Le seul inconvénient pour lui a été que le petit courant d'air qu'il avait causé a seulement fermé la porte de la salle de bain et n'a pu agir sur la fenêtre. Cela n'explique évidemment pas ce que cherchait l'assassin de Dorothée. À mon avis, c'est ce que Dorothée a trouvé dans le parc, surtout parce qu'elle n'a rien voulu dire à la police, Willy. C'était peut-être bien les gants trouvés par Richard. Mais non, c'est très improbable. Un assassin ne prend pas le temps d'enlever ses gants devant le corps de sa victime. À mon avis, Willy, ce sont les gants portés par l'assassin de Dorothée Hindrich. Mais pourquoi se trouvait-il dans la voiture de Liutak? Quelqu'un a voulu nous mystifier avec ses gants. Toujours est-il que ce sont les gants que portait l'assassin. Et le gardien du parking pourrait peut-être nous donner le nom de ce quelqu'un. On le saura bientôt. C'est possible qu'ils ne nous entendent pas. Vas-y, Willy. Notre gars n'a pas dormi ici cette nuit. S'il était sorti, je l'aurais vu, patron. La terrasse. Descends par l'escalier extérieur, Richard. On te rejoindra à la voiture. Je veux savoir comment il est sorti sans que tu le voies. Vas-y! Alors, je suis un idiot, l'escalier aboutit derrière l'immeuble. Retourne là-haut, et quand il rentre, mets-lui les menottes. Thank you.
cheveux et les petites taches de sang appartiennent à la fille assassinée l'autre semaine. La fille que notre collègue Liu Tak a accompagnée au Kingsley, comme de bien entendu. Et on n'arrive pas à dénicher ce sacré gardien de parking. Merci d'être venu nous rencontrer. C'est un lieu de rendez-vous assez insolite, madame, mais j'ai voulu vous éloigner de tout regard indiscret. Une attention charmante, j'en suis touchée, inspecteur. Vous êtes la dernière personne qui ait parlé avec notre assistante Dorothée Heinrich et je crois de choses importantes et délicates. Ah!
Je vous remercie de votre coopération. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Sur les relations psychologiques entre professeur et étudiant. Ainsi, toute révélation que vous me ferez demeurera un secret d'État. J'étais sûr que vous voudriez vous y prêter. C'est dans notre intérêt à tous deux de comprendre les problèmes qui nous séparent ainsi que ceux qui nous unissent. Mais on en parlera plus longuement ce soir. Bonjour, inspecteur Edwards. Ici le gars que vous cherchez. J'ai réussi à trouver l'arme qui s'est envolée, qui a au moins servi deux fois. Bon, c'est bien avec cette arme-ci que votre collaboratrice Dorothée Hendrich a été tuée. Oui, je l'ai trouvée là où vous, les flics, vous ne l'auriez jamais trouvée. Je suis un crack, moi. C'est que moi, j'ai du nez dans ce genre d'affaires. Cette histoire m'a vraiment beaucoup emmerdé. Je vais le laisser rigoler. Repère d'où ce crétin parle. Oui. Oui, j'écoute. Non, Rico, je ne sais pas où tu es. Tu me le diras, non? C'est ce que c'est que d'avoir confiance. Non, j'en sais rien du tout. Qui vous dit que j'ai confiance en vous? Parce que je ne vous ai pas encore dit que la donzelle assassinée dans la cabine téléphonique était ma dulcinée, la pauvre Louisette. Si je vous l'avais dit, je serais encore derrière vos barreaux aujourd'hui. Ben, j'ai aperçu une petite chose. Si je vous le dis, vous ne me croiriez pas. Mais que c'est quelque chose qui devrait vous intéresser. Espèce de sale moucheron. Mais non, je causais à un moucheron. Espèce de sale bestiole. Faites-moi confiance encore quelques heures, hein? J'ai le nez qui me démange à cause du gaz. Ayez un peu de patience. Et je vous mettrai en communication avec notre assassin. Encore mieux, avec deux assassins. Sale bête. Inspecteur, allô? Inspecteur? Réponds. Réponds! Parle, Rico! Inspecteur! Sale flic! Répondez, quoi!
dans un bon lit. Ouais, mais je n'ai pas le droit de te bouger. La police te trouvera exactement comme je t'ai trouvé. Tu ne m'entends pas, hein, pauvre petite? Parce qu'on t'a fourré de la morphine, hein? Quel beau salaud quand même! Et quelle surprise quand il te trouvera vivante au lieu de morte! Et je vais t'avoir, est-ce que t'entends? La ligne a été coupée, j'en suis sûr. Regardez d'où il a téléphoné, patron. Est-ce possible? Marchand! Attends! Marchand, il faut rentrer à la maison. Pourquoi? Viens! Il y a un homme dans la maison. Je l'ai enfermé dans la cave. Je pars te chercher. Qui que ce soit, je ne veux pas prendre le risque de le tuer. Il vaut mieux le décharger. Dommage, professeur. Qui êtes-vous? Elle est toujours vivante. Alors, les mains en l'air, et vite! J'ai les mains en l'air. Tirez pas, hein, professeur? Ah! C'est à ton tour de m'écouter, professeur. Est-ce que t'entends, professeur? Je te tutoie maintenant, espèce de petite crâne de malheur. C'est moi le professeur maintenant. Toi, tu n'es qu'un sale type. Est-ce que tu le sais? Espèce de saleté et d'ordure. Tu t'es caché comme un lâche, comme un sale macro. La fille de Kingsley, c'est toi qui l'as tué de sang-froid. Je vous ai vus tous les deux dans la voiture. Vous êtes passés sous mon nez. Et si tu as raconté un mensonge, ça veut dire que t'as la conscience polluée. Que tu as la conscience polluée. Tu n'es qu'un fumier, un salopard. Je devrais briser tous tes os. Tu sais, quand j'ai compris cette histoire, quand t'as fait la peau de la fille du téléphone, c'était ma fiancée. Et tu t'en es souvenu! J'étais à la police quand Louisette a été poignardée. Et tu te souviens de son nom, espèce de vermine? Pourquoi t'as rien dit à la police? Tu voulais qu'on boucle? Mais quand la flicaille m'a relâché, je t'ai suivi partout. Et je sais ce que t'as fait. Tu n'es qu'un impuissant. Ta femme, elle est devenue ma boule. Essayez de tuer la bonne. Sylvie nous le dira, je vous le garantis.
C'est votre message qui m'a fait venir tout de suite à la cave. Mes compliments, mademoiselle. Vous avez agi avec un sang-froid exceptionnel. Je viens de recevoir de mauvaises nouvelles. Le gardien du parking est mort. Il est mort d'un traumatisme crânien. L'idiot a essayé de fuir et il a trébuché sur un rocher. Professeur Liutak, appelez-moi aussitôt que vous le pourrez. Hein. J'ai bien besoin de vos conseils. Il faut que j'interroge la bonne aussi quand elle sera en état de parler. Est-ce qu'il aura un effet immédiat, Herbert? Aura-t-il un effet immédiat, Herbert? Je l'espère. Ne t'en fais pas, alors elle se réveillera dans 20 minutes. Toi, Joaquin, reste et tiens compagnie à Marsha. Bien sûr, Herbert, c'était déjà mon intention. On l'a trouvé dans la poche du gardien du parking. Alors, professeur Liutak, vous le reconnaissez ? Oui, bien sûr, c'est le mien. Il était enfermé à clé dans mon secrétaire. C'est mademoiselle Hendrick qui me l'avait offert. Elle était ma meilleure étudiante. Elle suivait assidûment tous mes cours. Vous vous en souvenez? Cela fait maintenant 2 ans. Oui, professeur, je m'en souviens. Quelqu'un, pour récupérer votre poignard, a assassiné Dorothée. Et le rapport du laboratoire confirme sans le moindre doute que ce poignard est celui qui a été utilisé contre la fille du téléphone et la putain dans le parc. Dans ce cas, je crois que ça explique la présence de Rico dans ma maison. Il voulait se défaire à tout prix du poignard. C'est la preuve irréfutable de sa culpabilité. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Il voulait remettre le poignard chez moi pour que vous me soupçonniez. Il s'est rendu compte, comme je me suis rendu compte, que Dorothée avait trouvé et dissimulé cette arme, celle qu'il avait perdue en fuyant. Et il l'a tuée pour la récupérer. Oui, c'est ça. Oui, parce que la nuit où Dorothée a été assassinée, je venais juste de libérer ce salopard de Rico. Et nous, professeur Liutak, avons parlé tranquillement ici quelques heures. Et à ce même moment, Rico est allé chez elle et l'a tué. Willy, c'est ça la solution. Dommage qu'il soit mort. J'aurais bien aimé entendre sa confession finale. Mais le gardien du parking a été suivi par Richard. Mais, tu sais bien, comme c'est difficile de suivre quelqu'un, Richard a fait ce qu'il a pu. Mais Rico lui avait échappé plusieurs fois déjà. Et puis dans le parc, dans l'obscurité, ce n'est pas possible de tout voir. Nous étions beaucoup dans le parc cette nuit-là. Maintenant, tout concorde à la perfection. Une vraie table de Pythagore. Il ne manque que quelques petites virgules. Mais je réussirai à mettre le point final. Salut. Bonsoir. Je suis désorientée, troublée pour moi, pour Herbert. J'ai peur de tout. Et Laurel, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'on lui a fait à elle? Mes nerfs sont à bout, j'ai peur de tout. J'ai peur de ce que Laurel va nous dire quand enfin elle se réveillera. Que dira-t-elle? Que dira-t-elle? Qu'elle est heureuse de vivre. J'ai peur aussi de Herbert. C'est extraordinaire comme vous arrivez à comprendre aussi intimement nos ennuis et nos problèmes. Vous parlez même comme nous. Florence, pardonnez-moi. J'ai besoin d'air, j'ai très mal à la tête. Merci. Je comprends, professeur, je ne dois plus dire un mot. C'est lourd, n'est-ce pas? Tiens, on n'entend pas les criquets ce soir. Maman se sentirait bien dans ce parc.
Elle ne supporte pas le bruit. Ça devient une obsession chez elle. Écoute, va-t'en, Florence. Laisse-moi. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Laisse-moi. Florence. Va-t'en vite. Florence. Va-t'en. Florence. Florence. J'ai une amie qui dit qu'une fois qu'on a serré la jambe, il faut faire sortir 3 gouttes de sang pour détruire les effets de la drogue. C'est étrange. Ça fait 3 heures qu'elle a pris le médicament. Et elle dort toujours, Joaquin. Sa respiration et sa couleur sont normales. Mais elle dort toujours. Réveille-toi! 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 Je vais répondre. Allô? Répondez. Allô? Allô? Répondez. Personne au bout du fil. Quelqu'un nous fait une mauvaise plaisanterie. C'est le genre de blague que je déteste. Ou est-ce ma voix qui lui est antipathique? Réponds, tu veux? Parlez. Parlez, 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 parlez. C'est quelqu'un qui se fout de nous. Répondez. Magnétophone. Non, Herbert, qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, j'ai eu une journée difficile. Laurel s'est réveillée ou pas? Je ne sais pas. Elle pourra peut-être nous expliquer pourquoi cet homme l'a attaquée.
J'ai peur, j'ai très peur d'elle et de son réveil. Laurel est une chose de moindre importance. Je crois que nous devrions commencer par cette chose. J'ai peur, Joaquin. Marcha! Voilà Herbert. Qu'as-tu fait de Laurel? Dis-moi où elle est. Non! 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 Marcha! 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 Marcha. Marcha, Marcha. Marcha. Où est Laurel? Où est-elle? Ferme toutes les portes, Herbert. Par les fenêtres. Ne laisse personne entrer. Je vivrai toute seule. C'est la fin de tout. C'est la fin. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, Marcha? Marcha! Ne la laissons pas seule, Herbert. Non! L'important, c'est que ceux qui sortent doivent être suivis et que personne ne doit y entrer, tu as compris? J'ai compris. Je le regrette pour vous, patron, mais les faits pèsent beaucoup plus que nos sentiments. Répondez pas. Il n'y a personne ici. Arrête. Non, laisse-moi. Je vais répondre, laisse-moi. Laurel, je m'en fous si tu es allée à la police, tu entends, je ne veux pas parler avec toi. Elle a été enlevée par la police. La police l'a emmenée, elle va tout avouer. Elle est avec la police. Mais c'est mieux comme ça, tu sais. Elle va leur avouer que c'était le gardien du parking qui... Oui, bien sûr, Herbert. C'est ça. Thank you.
Marsha! Où vas-tu? Marsha! Marsha, où vas-tu? Laurel dans la cave tout à l'heure, puis c'est elle qui l'a endormie avec de la morphine qui voulait la tuer avec le gaz. Toi, pourquoi? Pourquoi? Non, Jackie. Non, Jackie Herbert ne devait jamais savoir, il ne devait jamais savoir. Mais tu es folle, tu ne sais pas encore que la police est au courant? Pas Herbert, non, Herbert ne devait jamais savoir, je l'aime, j'ai fait tout pour lui. Il ne devait jamais savoir. Je préférerais mourir plutôt que de lui dire... Professeur Yutak! Professeur Yutak! Me voici, inspecteur. Laissez-moi entrer! J'arrive, inspecteur. Laissez-moi 2 minutes et je descends vous ouvrir. Merci, professeur. Je savais que je pouvais compter sur votre collaboration. La police est arrivée. L'inspecteur et ses hommes sont ici. C'est fini pour toi, le sais-tu? Laurel a tout raconté. On vient t'arrêter. Herbert restera libre, tu ne le verras plus. Je t'ai aimé à la folie, tu le sais, Marsha, mais tu n'as jamais voulu trahir Herbert. Tu as voulu que ton Herbert chéri te trahisse, toi, qu'il te livre à la police. Pour rester libre, je mourrai avec toi plutôt que de te perdre. Je n'admettrai jamais qu'un homme enlève la possibilité de te voir. Marsha, nous mourrons ensemble. Herbert te livre à la police, Marsha. C'est lui qui a donné Laurel pour se soustraire à tout soupçon. Il se moque de ton amour, parce que c'est un fou, un sadique. Non, c'est un criminel, un assassin. Non. Herbert est en train de te livrer à la police et tu ne dis rien, tu ne l'empêches pas, tu restes là et tu laisses faire ce porc, hein? Tu as tué pour lui, pour cet impuissant, ce lâche. J'ai tué pour toi. Louisette dans la cabine téléphonique. Et la fille dans le parc et après Dorothée pour éloigner de toi tout soupçon. Pour éviter que tu sois arrêtée et emprisonnée. Parce que j'avais compris tout ce que tu avais fait. Oh, je serais morte si je t'avais perdue. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Alors Laurel t'espionnait, c'est ça? Elle savait tout ce que tu faisais. Je soupçonnais. Et puis elle a compris. Elle a vu mes vêtements ensanglantés. Le poignard que j'ai repris à Dorothée, Trichy. Oh. Non. Marsha, tu as réussi à gâcher toute notre vie. Je ne peux rien, je dois te livrer à la police. C'est mon devoir de te livrer à la police. Je suis le professeur Herbert Lutak et j'ai toujours livré une bataille acharnée au crime. Salopard! Je ne te laisserai pas dédaigner son amour. Vicieux! Vicieux! Non, Jackie, non! Vicieux! Non! Salopard! Vicieux, salaud! Vicieux! Vicieux!
salopard. Arrête. Herbert. Herbert. Il faut ouvrir cette porte. Je vais voir s'il y a une autre entrée. Oh, Jackie, non. Je t'en supplie. Non. Herbert. Herbert. Assassin. 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 Vicieux. Sadique. Vicieux. Sauve-toi. Non. Non, Jackie. Vicieux. Et tu le resteras. Aucun homme ne pourra te toucher. Tu es à moi. Tu es à moi seul. Et tu le resteras. Tu n'iras jamais en prison. Tu entends? Jamais. Edwards. Edwards. Edwards! Venez par ici, inspecteur. Inspecteur! Impossible de l'ouvrir. Venez avec moi. Professeur! Je resterai avec toi. On restera ensemble. Il ne te touchera pas. Il ne te salira pas. Albert! Je l'ai tué pour toi. Pour toi. Les cris viennent de là.